Nous avons mis en place cette caméra amicale en 2009 pour pouvoir promouvoir la solidarité et l'entraide entre les membres de notre promotion, qui, je le rappelle, est la promotion qui est rentrée à l'IPR en 1979 et qui en est sortie en 1983. Donc c'est pour promouvoir l'entraide et la solidarité entre nous. Tous les ans, nous organisons une rencontre récréative avec les membres de nos familles, à savoir nos épouses, nos époux, nos enfants et nos petits-enfants, pour cultiver cette solidarité, pour cultiver cette entraide, non seulement entre nous-mêmes, mais entre nos enfants et entre nos épouses. C'est ça l'objet de la rencontre de ce matin. Et nous avons profité de cette rencontre pour mettre en place un bureau d'études. Et ce bureau d'études, il a été dénommé BADREF, Bureau africain de développement, de recherche, d'études et de formation. Il a pour but de mettre à la disposition de notre pays les compétences que nous avons au sein de l'amicale. Vous savez que les formations qui sont dispensées à l'IPR de Katibougou sont de nature à apporter un appui considérable au développement du secteur rural du Mali. Donc ces compétences étant les nôtres, nous avons estimé qu'il était de notre devoir de mettre ces compétences au service de la nation. Et la meilleure voie pour cette mise à disposition, c'est de créer un bureau d'études. Donc ce matin, nous avons organisé l'Assemblée générale constitutive de la mise en place de ce bureau qui s'appelle BADREF. Et nous allons, dans les jours à venir, prendre des dispositions pour nous faire connaître par le public. Les critères d'adhésion au BADREF, d'abord, il faut être membre de l'AIPR 7983. Comme c'est initié par la promotion, il faut d'abord être membre de la promotion. Il faut être membre en ce sens qu'il faut avoir sa carte d'adhésion, il faut être à jour de ses cotisations annuelles. C'est la seule condition qu'il faut remplir. En plus, comme un bureau d'études, c'est comme une société à capital. Il faut souscrire au capital de la société. Donc après avoir été membre de l'AIPR et qu'on accepte de souscrire au capital, on peut être membre du BADREF. L'idée a bénéficié de l'enthousiasme de tous les membres de l'AIPR. Tout le monde a apprécié l'initiative qui, à notre sens, va permettre d'exploiter à fin les compétences dont nous disposons dans le domaine rural, à savoir dans le monde agricole, dans le monde de l'élevage, dans le monde des eaux et forêts, dans le monde de l'environnement et dans le monde de l'assainissement. Ces compétences-là sont des compétences issues des formations de l'IPR de Katibougou. Et nous estimons que notre promotion, celle de 79-83, est l'une des meilleures promotions que Katibougou a formée depuis sa création. J'ai deux messages. Le premier message s'adresse aux membres de l'amicale pour qu'ils adhèrent au BADREF. Et comme je l'ai dit tantôt, la condition première pour l'adhésion au BADREF, c'est d'être membre de l'AIPR, l'association. Et pour être membre de l'association, il faut avoir une carte d'adhésion, il faut payer ses cotisations. Et après cela, on peut accéder au BADREF. Le deuxième appel s'adresse aux autorités maliennes, qu'ils sachent qu'à partir de maintenant, le Mali dispose d'un bureau d'études aux compétences les plus élargies dans le domaine du développement rural. Nous avons des compétences qui ont à faire beaucoup d'études, chacun dans son domaine, mais nous voulons mettre en commun toutes ces compétences-là pour les mettre à la disposition du pays.